Tous en a deux missions principales. La prévention et extinction des incendies. Donc aussi les incendies, mais dans les nuits, na bino, na ba konzi musalo ba pesibiso, que tout faire diminuer tout y a incendie. Donc diminuer on a moyen premièrement, il y a sensibilisation à la population et moyen d'équipement. Botanga qui très bien. Tous en a ba matériel, il y a premier secours, bac à sable, extincteur. Au ça la face au fait y est mon corps. Un conseil, et c'est un dernier conseil pour la journée d'aujourd'hui. Retenez une chose, être activiste de droits de l'homme, c'est braver la peur. Je me le répète, kozala activiste, il y a droits de l'homme, ezali kolongola, mbangi. Il n'y a pas un petit activiste de droits de l'homme. Il n'y a pas non plus un grand activiste. C'est de un. De deux. Merde. Pourtant, vous avez fait en sorte que le brigadier puisse mordier de la discipline vis-à-vis de la hiérarchie. Et là, vous êtes sanctionnable. Le major doit aussi vous sanctionner. Ok? C'est bien fait, vraiment. Vous avez résisté avec votre dossier. Mais seulement la manière des paroles. Ok? D'accord, merci beaucoup. Yo mokozo rassuré bon. Non, c'est vraiment comme ma lame. Corruption que vous allez faire. Et vous allez faire. Empêchement ma lame, corruption que vous allez faire. Vous allez accompagner na maître Jimmy Mwamba. Et il y a des gens qui se présentent comme on a dit, commandant mon cabinet au trésor. Nous allons agent et à Sabia Pompé, brigade Atier Sandy. Et à partenariat na ONGD, Doge. Yo, ici Cappuccino Albigi El Gua pour Mister La Musique Bio sans microbes. Suivez la chaîne RM Live TV, c'est du professionnalisme et vous ne serez pas déçus. L'information à la source même. Alors on est ensemble, RM Live TV, the best one. Aïe aïe aïe. Alors je... Je crois ma commettre le bagage pour qu'ici en haut, mais dans le bas toujours, un homme de valeur fait des choses que les autres ne peuvent pas faire, afin que cela les suive. Et bien voilà, vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. Sans pourtant avant la passer, il faut d'abord merci. Dans le compte, il y a le corps de santé complet, la brigade spéciale des incendies en RDC. La moto est un maki. Tant que structure d'eau, j'ai eu un gâteau comme à autre aux allélo. Bah, au PJ, bientôt sermenté en compétence générale. Au Salamoussa, en arrière. Et il y a des hommes qui ont sauté comme des commandos dans un avion militaire sans parachute. Et ils sont là pour réaliser ce que nous sommes aujourd'hui. Et bah, côté c'est l'eau, mon cas, c'est c'est pourquoi même on a considéré journant et l'équipe n'a pas d'anniversaire et l'équipe n'a pas d'anniversaire parce que aux en la matière, moi qui l'ai honoré au commis utile na vie, na société, pour défendre Mboka. Souci na bango et zala qui procédure à l'État et zo l'anmamate. Donc je crois, boye vene batangi si biso, et zali qu'on travaille pour Mboka, qu'on zon y sa makambo yami bien qu'on en zela. Pour défendre les sans-voix, les voix des sans-voix, bah opprimés, bah tout bazangi, bah t'as relevé la bango. Pour monter à un pouvoir, à un maté sérieux. Et sans plus tarder, la béni, auto béni formateur.
Monsieur le Président de Doge, Monsieur le Vice-Président, chers Madame et Messieurs, activistes des droits humains, dans notre structure défenseur des opprimés dans, pour une justice égalitaire, c'est cette prise de parole m'accorder en tant que chargé des projets de la structure Doge et la dite formation se trouve dans les prérogatives mais reconnues. À cela, j'ai le plaisir de me tenir par devant vous à l'occasion de l'événement historique de notre structure Doge, consistant la remise de brevets aux nouveaux membres de notre ONGDH ASBEL Doge. Cette remise de brevets qui ayant été précédée d'une formation adéquate, assidue, permettant aux porteurs de ces derniers la qualité d'exercer en bon escient leur métier en tant que tel, c'est-à-dire activiste des droits humains. En République démocratique du Congo, d'abord et également sur l'échelle internationale. Chers activistes, chers nouveaux membres de Doge, c'est pour moi l'occasion également de vous souhaiter mes sincères félicitations et plein succès dans votre parcours comme défenseur des opprimés pour une justice égalitaire. Ainsi dit, je vous souhaite à tous la bienvenue. Il représente le formateur. Le président de Doge, au président et représentant des structures de pompiers et à tous nos frères et sœurs qui sont en ce moment à vos titres de qualité instructif. Je me mets devant vous, monsieur Lestander, parce que d'un mois l'autre, vous serez sanctionné par un brevet. Il viendra de cette structure de Doge. Cela prouve à suffisance que vous avez eu à vivre de devant vous les formateurs en politique que de notre structure de Doge, et vous n'êtes plus à sous-estimer. Je sais que d'ici là, vous serez des autorités judiciaires. Et vous savez très bien que vous aurez votre chef hiérarchique qui sera le procureur de la République. Parce que c'est devant lui que vous allez prêter votre serment. Votre tâche n'est pas moindre, parce que vous serez appelé à chercher les auteurs des infractions, vous allez recevoir des plaintes qui viendront de personnes qui se verront ôter ses droits et obligations. Étant donné que vous avez déjà eu des formations pour connaître ce que c'est les droits de l'homme, parce que la structure qui vous a formé n'est pas une structure moindre, mais c'est la plus grande structure de notre République. Mais je sais que vous allez faire mieux pour avancer notre République. Il vous a donné cette tâche de faire ce qu'il fallait faire, quoi, rechercher les infractions, appréhender les auteurs de ces infractions et les amener devant l'officier du ministère public. Savez-vous, monsieur Lestander, tel que vous êtes là, que quand vous allez faire votre travail,
il y a les gens qui ont des privilèges de poursuite. Parce que demain, vous êtes les OPJ, vous n'allez pas mettre la main sur n'importe qui. On vous dit par exemple qu'il y a un pasteur qui a tapé sur sa femme, par exemple, ou sur un membre de son église, et vous établissez une. D'un coup, les malades amenés, la priande, ce n'est pas ça. Il y a les gens qui ont des privilèges de poursuite. Déjà, pareil, vous pouvez leur envoyer même une invitation. Et Polima, il viendra comparaître devant vous. Il faut savoir aussi qu'il y a des avocats, parce que vous avez été formés par ces derniers. Ils ont aussi des privilèges de juridiction. MCP est venu aussi devant vous, déposer sa plainte. Non, tel avocat m'a fait ça, ça, non, et vous. Vous envoyez les agents avec les malades amenés aller appréhender ce monsieur-là, ce n'est pas ça. Il faut savoir ça et je sais que vous aurez encore beaucoup de temps d'approfondir les matières que vous avez acquises. Je sais que demain, vous serez les OPJ et vous allez prêter vos serments. Nous en sommes sûrs. Et nous aussi, avec notre structure, nous savons comment nous travaillons et je sais que nous allons donner à l'État congolais des bons messieurs, des bons hommes, des bons OPJ qui vont contribuer à l'épanouissement de notre République. Pour ne pas monopoliser la parole, c'est dans peu de mots que je voulais un peu vous conscientiser et vous faire savoir ce que vous serez. Je vous remercie. Ok. Parmi le pionnier de la structure d'eau. Vous avez la parole, en quelques deux minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Formateur, chers commandants et défenseurs des opprimés, bonjour. Bonjour. C'est ici la joie de me retrouver parmi vous, puisque j'étais en train de m'inquiéter de voir que Doge, qui était mon bébé chéri, que je mettais à cœur. Et parfois, suite au déplacement, je me demandais si ces structures vont encore évoluer ou comment. Mais quand j'ai appris, tout en étant loin, bien que j'étais hors de la province, j'ai appris qu'il y aurait une formation. Et j'étais comblé de joie de voir que ce bébé est en train de grandir. Et j'ose croire qu'avec vous, il y a encore de l'espoir. Ici en Doge, comme on le disait depuis longtemps, il n'y a pas de nouveaux, il n'y a pas des anciens. Tout celui qui porte Doge à cœur, c'est lui qui est considéré comme étant le porteur ou la maman biologique de Doge. C'est ici l'occasion pour moi de vous féliciter, cher commandant, tout membre qui est en train de prendre Doge à cœur, qui a les soucis de Doge, qui ne cesse de propager Doge partout où il passera. C'est ici l'occasion pour moi encore une fois de vous féliciter et dire merci. Certes, on m'a donné des minutes, mais je pouvais parler pendant toute une journée, sans pour autant me reposer, car je suis dans la joie et je me sens vraiment honoré, puisque, comme venait de le dire Monsieur le Président, je suis le pionnier et les premiers. Doge, tel qu'on vous a appris, c'est une structure qui n'est pas là pour croiser les bras, mais plutôt pour défendre les opprimés. Et comme nous le savons tous, nous sommes opprimés d'une manière ou d'une autre. Et nous ne savons pas à qui recourir. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de trouver qu'il y a des hommes forts, des femmes fortes qui, à dater d'aujourd'hui, nous commencerons à compter sur eux.
Ne prenez pas ces brevets comme des simples papiers que vous allez garder dans vos maisons, sous vos matelas. Mais faites de ces brevets quelque chose qui parlera de Doge. Et partout où vous passerez, qu'on sent que c'est Doge qui vient de passer. Je crois que je n'ai pas beaucoup à dire. Je ne peux que me taire à ces mots. Et comprenez que la joie peut nous faire parler, jusqu'à parler, même demain ou après-demain. Je vous remercie. Oui. Nous allons te dire, nous avons ici le président. Nous lui passons la parole pour la continuité de l'événement. Et curieusement, ceux qui sont passés vous parler, ils ne se sont pas présentés, ils se sont disant toujours Doge. Hein. Est-ce que vous connaissez la personne qui va te parler? Non. Ah, laissez-moi alors le présenter, parce qu'ils ne se sont pas présentés. Il s'appelle Monsieur Loubal, Sinto. Monsieur Loubal Sinto est parmi les membres fondateurs de Doge. Lorsque Doge commençait là à naître, il était là. Et il continue d'être là. Et il est le conseiller, parmi les conseillers de Doge, il en fait partie. C'est lui le président des conseillers de Doge. À sa droite, nous avons Monsieur Ritterfort. Monsieur Ritterfort, c'est lui le chargé de projet de Doge. Lorsque nous faisons des descentes à Chicapa, nous étions d'ailleurs avec lui, nous avons fait des projets. En fait, c'est lui le chargé de projet. Et lorsque, s'il a pris la parole en premier lieu, c'est tout simplement parce que la formation fait partie des projets. Ok? Et c'est lui. C'est aussi parmi le fondateur de Doge. Donc ici, il y en a deux. Le président, le vice-président s'est fait représenter parce qu'il est dans une procédure. Voilà qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Que vous connaissez, n'est-ce pas? À ma droite, vous avez, c'est un membre de Doge comme vous, comme moi. C'est vrai, il n'est pas parmi le fondateur de Doge, mais il a adhéré à Doge et il a donné un coup de pouce à Doge. C'est parmi le formateur de Doge. Et vous les connaissez, n'est-ce pas? La première séance était avec lui. Ce maître Morgan Kanimba. Pas Morgan de l'Est. Hein? Ça, c'est Morgan Kinshasa. Ok. Je pense que c'est l'équipe Doge qui est venue. La personne qui est devant vous, qui est en train de prendre les images, c'est on a encore oublié, c'est parmi le fondateur aussi, parmi le fondateur aussi de Doge, elle s'est retrouvée. Elle a commencé la presse avec Doge il y a 3 ans. Elle est toujours avec nous. Et peut-être certains d'entre vous le connaissent, ils le voient à la télé, peut-être. Beaucoup d'entre vous, peut-être, si vous avez une image, vous le verrez. Elle s'appelle RM007 Mambasa. RM07. Ok, je pense que c'est la petite présentation. Et moi, je me présente aussi. Je suis à présenter également. Oui, moi, je me présente. Voilà, je me présente, je me retrouve dans vous. Je vois, je suis Monsieur Fortuna. Je suis Monsieur Timothée. Je suis Monsieur Kenya. Je suis Monsieur Florent. Ok, Lukondo. Je suis Madame Jaël. Je suis Madame Irène. Je suis Madame Youyou. Je suis Madame. Ça veut dire que je suis l'homme d'entre vous. Ok? Voilà, merci beaucoup. Je suis très fier de connaître certains noms déjà en peu de temps. Nous n'avons pas un très long discours à faire. Nous sommes parmi les gens qui ont beaucoup parlé lors de la formation. Et ici, je ne veux pas recommencer, redire ce que mes collègues viennent de dire. Une joie extrême pour nous que vous puissiez nous appartenir. C'est comme venait de dire le conseiller. Ce ne sont pas de simples papiers. Doge a déjà fait un très long chemin. La personne qui est utile dans Doge, c'est la personne qui s'est fait utile. Un conseil, et c'est un dernier conseil pour la journée d'aujourd'hui.
Retenez une chose. Être activiste de droits de l'homme, c'est braver la peur. Je me le répète. Kozala activiste, il y a droits de l'homme, ezali kolongola, mbangi. Il n'y a pas un petit activiste de droits de l'homme. Il n'y a pas non plus un grand activiste. C'est de un. De deux, un activiste de droits de l'homme, c'est quelqu'un qui est au service de la... pas seulement de la nation. Vous n'êtes pas là pour la nation. Vous êtes là au service de l'humanité. La nation, elle est petite. De l'humanité. Ok? Un activiste des droits de l'homme n'a pas, je vous l'avais dit autrefois, n'a pas de tribu. Naza et Koloboye. Si vous avez des tribus, vous n'allez pas aider l'autre tribu. Un activiste des droits de l'homme n'est pas un raciste. Un activiste de droits de l'homme n'a pas un parti politique à faire valoir. Si je suis d'un parti politique, je serai contre un autre camp politique. Pourtant, les bévues, le méfait de droits de l'homme se trouve et dans l'un et dans l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Il y a devant un activiste de droits de l'homme, il n'a pas peur des titres. Je suis avocat. Vous avez commis une infraction, une violation des droits de l'homme. L'activiste doit faire quoi? Poursuivre. Je suis un président de la République. Il y a violation des droits de l'homme. L'activiste doit poursuivre. Mais comment le faire? Dans le règle prudentielle. Vous devez connaître encore une chose. Il y a ce que vous, demain au PJ, vous ne pouvez pas attendre sur votre PV. Il y a ceux qui ont des privilèges de juridiction. Il s'agit... Vous un président de la République qui a commis une violation d'un président Yarana attendre un apaisé. C'est faisable, hein? Non. Pas un président de la République. Pas un avocat. Pas un magistrat. Sauf en cas de flagrance. Exactement. Exercez votre métier d'OPJ. Si je m'adresse aux OPJ, votre métier dans le respect de la loi. Respectez les autorités. Et vous serez également respecté. Un activiste des droits de l'homme n'est pas un avocat. On invite quelqu'un à la police. Et vous allez... Non, il y a qu'un activiste. Il y a un activiste. Vous vous présentez devant l'OPJ. Je suis activiste des droits de l'homme. Vous l'avez invité. Non, ce n'est pas votre travail. La seule personne qui doit assister quelqu'un, c'est qui? C'est un avocat. La seule personne. Même un magistrat ne peut pas assister. C'est les avocats qui assistent. Mais que curieusement, il y a des activistes, on le voit là-bas, il vient, il dit, je viens assister. Non. Et un OPJ doit également respecter le règle prudentielle. Ok, ce n'est pas ici le moment d'apprendre, mais c'est juste vous rappeler ce qui est important. Mais néanmoins, avant de passer à l'essentiel, j'ose croire que les OPJ ont organisé une petite scénette. Et dans cette scénette, vous allez mettre le tout en œuvre. Vous allez comprendre quel est le rôle de l'OPJ. Comment doit-il se comporter en face d'un justiciable? D'abord, monsieur le commandant chargé de l'opération, je pense bonjour. Bonjour à qui est papa. Bonjour à qui est papa. Problème. Tu es un peu plus de temps.
Kotali sa ango liboso na ye. Kotali sa ango. Maman, aïe. Oui. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Oui, la ligne est au cabine. Kamori. Mon dépêché n'a pas la commande. Est-ce que vous avez un peu de temps?
L'article 66, code pénal, livre 2e, il y a Congo. Alors, lui allez, toi, tu es avec nous. Papa, excusez-moi. Et on voyait qu'ils prennent le suspect. Le suspect, il fallait d'abord commencer par lui poser la question. Parce qu'il est venu manu militaire. Est-ce que Basalio Mabé, Bazuini Ninayo, Babetio, il faudrait commencer, parce que vous êtes d'abord activiste des droits de l'homme, il faudrait d'abord commencer par s'intéresser à la personne qui est devant vous, ok? Ça, c'est le premier défaut. En tant qu'activiste, pas en tant qu'OPG, en tant qu'activiste. Et le deuxième, serait quoi? Vous l'incriminez de non-assistance de personnes en danger, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'enquête a eu lieu? Monsieur l'OPG, fallait qu'il y ait une descente sur terrain. Qu'est-ce qui vous dit que eux n'ont pas commis la même infraction que vous colérez? Peut-être ils ont juste vu le feu, c'est bizarre, non voilà le feu, il y a quelqu'un, il y a un sapeur-pompier quelque part, et allons-y vers le sapeur-pompier. Ils ont aussi laissé la maison être consumée. C'est, ils tombent aussi dans la même infraction. Et là, vous lui collez une infraction au pied et les autres, vous dites « Papa, Bokoki Kokimi ». Non ! Non, non ! Qu'est-ce que nous devrions faire ? Nous devrions, après avoir appelé le papa, poser aussi la question « Ce qui a mon acquis, ma manette comme ça, la nini sur place. » Ok ? Ok. Et deuxièmement, j'aurais bien souhaité, il est qui ? La personne qui a votre droit, c'est qui ? C'est le major, n'est-ce pas? Continuez directement sur cette celle-là. Vous lui faites maintenant un rapport, il est déjà incriminé. Maintenant, faites le rapport pour faire quoi? Allons-y. Allons-y. Je suis un peu plus de temps. Voilà, bon, nous faisons un rapport à la personne. Merci, merci. Pourquoi c'est silence? Oui. La CPD, la ligne, au conseil, la Corée, c'est la voix. Donc, vraiment. Aussi la voix. Na autre chose, on a famille, la suspect. En tout cas, la solo inangai, la bombe inangai, moins quelque chose, la bombe inangai, pour tout libérer, on a pas moins. Y a moins, on a lavé, la bombe lui quelque chose, la bombe lui quelque chose, comme ça, on libère suspect. Donc, mais respect mon major, n'a pas libéré Bangote. Parce que quand on incendie, déjà, c'est-à-dire, nous avons un rapport dans le ministère public, tant qu'on a une procédure, nous avons un libéré Bangote, et le ministère public, mais nous avons un rapport pour libérer Bangote. Tiens, OPG, qui commande ici? Bien sûr que oui. Nana lobby, nous allons aller au donc nous allons lobby. Mon major, dossier est allé en tant que compétent et à vous salaire. OPG, dans le lobby, il faut que nous sommes là. Nous sommes là. Mais si lobby, nous sommes là. Ok, ceux qui ont au ligne de l'homme, nous sommes là. 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 Nous sommes là.
Non, mais ça va en côté. Brigadier, mon compte. Comme si c'était un. Yé, mon compte. Vous allez d'ailleurs. Libéré. Tiens, mon compte, la cause là, ne tinde pas à mon OPJ. Na lobby, libéré, yé. Mon OPJ à lobby, na libéré, et c'est ni lié à Zala mon compte. Applaudissez. Ok, on recadre. Monsieur l'OPJ, je suis là. Vous avez été trop direct. C'est pas ça. C'est un major. On peut même être tué, on peut même tirer une balle. Lorsqu'on parle à un chef, c'est toujours avec courtoisie. Vous refusez ma belle courtoisie. Vous posez, la yokio, c'est libéré. Et je sais que même au risque de la carte, c'est dans le but, libérez en vous. Vous posez, la yokio. Vous rentrez, vous allez fixer, lui vient, il libère son tonnerre. Et c'est tout, vous allez faire rapport avec votre mort d'OPJ. Mais vous ne pouvez pas faire bras de fer. Là, vous avez même montré au brigadier de manquer la politesse. Pourtant, le respect, pas le respect, on a toujours dit l'armée est le maire de la discipline. Pourtant, vous allez faire en sorte que le brigadier puisse manquer de la discipline vis-à-vis de la hiérarchie. Et là, vous êtes sanctionnable. Le major doit aussi vous sanctionner. Ok? C'est bien fait, vraiment. Vous avez résisté avec votre dossier. Mais seulement la manière de parler. Ok? La journée, c'est autre chose. Notre bière, n'est-ce pas? Activistes des droits de l'homme. Les moments tant entendus est arrivé. Le brevet que nous vous donnons aujourd'hui, parce que nous sommes rassurés que vous êtes réellement des activistes des droits de l'homme. Défendez cette matière. Ok? Défendez. N'ayez pas peur. Restez soudés. Un actif des droits de l'homme est toujours soudé. L'étude, c'est du berceau au tombeau qu'on apprend. Apprenez toujours. Après cet événement, nous aurons le temps d'échanger en famille. Commandant Ngamboudi Maléo Ignace. Présent. Au civil. Emmanuel. N'est pas présent. Commandant Mungongi Mkwe François. Présent. Félicitations. Je vous présente néanmoins celui des lauréats de la promotion qui a pris cette. Commandant Losuke Saliki Florent. Le commandant Moulumba Mboui Kande Timothée. Aussi le maximum de points. Applaudissez pour lui. Et du coup, il a été accepté comme inspecteur de douane. Wow. Félicitations pour l'inspecteur. Le commandant Mokabi Mindo Trésor. Commandant Moutombo Kode Fortina. Présent.
Ça, c'est monsieur le major. Vraiment, de la sénette. Merci beaucoup. Le major corrompu. Hein. Le commandant Bas, le Kouéné Sodial à Jaël. Madame l'argent. Vraiment. Le commandant Moukouna Enon. Moukagi est votre macanda. Le commandant Gwengila Makia Dimaki. Le commandant Mvula Mwenga Kiseki Brion. Lorsque vous voyez un monsieur de cet âge, continuez à apprendre. C'est quelqu'un à féliciter. Félicitations. Le commandant Kayongo Mvula Lulu. Le commandant Mayumbu Kuyungana Yerson. Le commandant Kaba Mbola Bamuke. Commandant du Sungi Ifa Isafolo Stéphane. C'est monsieur Boende. Commandant Kumbia Nashabitwapa Alphonsine. Commandant Mbata Kalonda Jean. Commandant Mbankelende Richard. Le commandant Kabamba Kabamba Adin. Le commandant Kangudi Mwamba Willy. Le commandant Maemba Zwana Gelo. Thank you.
commandant Kwenge Musanga Irene. Commandant Bamana Voilou Jeff. Le commandant Munginda Yene Matondo Marie Rose. Là c'est fini. Le chef commandant des brigades spéciales des incendies vient de faire son entrée. Il était quelque part et il vient d'arriver. Il a un mot à dire parce que c'est lui notre parrain. C'est lui qui a conclu un protocole d'accord avec Doge Structure entre les brigades spéciales des incendies et Doge, l'institut des défenseurs des opprimés. Il ne manquerait pas à nous dire un mot. C'est pourquoi quand je l'invite, et si nous pouvons toujours nous mettre debout, s'il vous plaît, avant de le passer. Chef des brigades, commandant, nous vous disons d'abord merci. Nous ne sommes pas des opportunistes, mais on a saisi l'occasion pour créer cette opportunité. Et par rapport à la structure d'Oge dont nous félicitons, nous remercions aussi, avec des formateurs de qualité, musclés, avérément, qui nous ont bien instruits. Et je vous laisse la parole. Merci, chargé de l'opération. Sapeur-pompier Avatou, discipline. Sapeur-pompier Avatou, discipline. Deux. Conscience professionnelle. 3. Politique non, non et non. 3. Politique non, non et non. 4. Ponctualité. 4. Ponctualité. Merci. Merci. Restez toujours comme ça. Et parade te pèse à la Mokwamboka. Parade des plus belles jatiques là dessus en Gouzana. Des langues. 3 langues. Lingala. Nos deux langues, Lingala na Chiluba. Bati ako pesa ona français te. Ezaka na Lingala na Chiluba. Tilelo. Je remercie beaucoup équipe l'ONG Doge. Natondi na fondateur Mutwazwaki initiative ya ko créer Doge pour esunga bana mboka. A côté de l'Ema, bon mon aïe. Bazaïe mon côté. Ma fondateur, ma cause à la même 5-10, bangonne, ma côté de l'Ema. Les canisseaux, bango, bazoaki, ils allaient pour la poste de Mboka. Oui, prête à Mboka, Yovan. Merci, merci. Ils allaient pour la poste de Mboka. Kosunga Mboka, na makamwe belé. Nous, corps de sapeurs-pompiers est paramilitaire. Dans le cas de paramilitaire, il y a un règlement militaire et discipline militaire. Souvent, il y a un tabac. Il y a un tabac.
oyebite ke mibeko elobini eloko zo sala oyebike ze infraction yango esengelaki toki malombango na doge structure eza reconnu officiellement pour former bino pour bozu ba formation ya qualité ngamo nazo confirmer yango na yebi na landi pe yango toyebi ke boza lobby mpona kosunga mboka na tondi pe na tata mokonzi chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona assez concentré mpona ba sapeur pompier ya Congo tokoki kobetele nanu maboko ye moko assez concentré surtout na moto oyo tosalama na kalufungula totondi mpe na tata mokonzi premier ministre apesi instruction na mokonzi na biso son excellence Peter Kazadi VPM na biso ya intérieur ke a organisé brigade plus vite que possible eza boye te boye brigade pe eza bo moko yango nde place tozali yango il faut le botosa mibeko ya mboka tolanda ndenge mibeko zoloba na mission oya biso tozana deux missions principales la prévention et extinction des incendies tokosili ces incendies te mena lingi na bino na bakonzi musalo ba pesi biso que to faire diminuer to ya incendie toko diminuer ngona moyen premièrement ya sensibilisation à population et moyen d'équipement botanga ki très bien tozana ba matériel ya premier secours bac à sable extincteur o muto akoki ko sala ko sala face au feu ye moko y a encore deuxième moyen d'extinction véhicule anti-incendie, bouche d'incendie, détecteur de fumée, détecteur de flammes et autres. Yango, lobby, tokozala et paye moko, procuré de la République, pour na abak sa sous matière. Premièrement, aye bake, est-ce que Doge a sali moussala nenga sengela maki? Deuxième, yé moko pe akobak sa pe implice. Parce que la formation est très importante. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez mardi, mercredi, pour te proclamer jour. Vous avez un peu proclamer jour. Vous avez prêté serment. Soyez toujours discipliné. Vous avez toujours la discipline. On dit la discipline est la mère des armées. Soyez disciplinés. Et lobby, moutoumé, soit là ta propre. Ténité. Osana chemise à bien, tcha cravate. Osana veste lata. Osana basé à bien lata. Osana robe à bien lata. Osana jeep à bien lata lobby. Tozala libosso à mon cause mouné en boca. A mon abino très propre. Bozo représenté, basapé pompier, sur 100 000 sapés pompiers à la République. Binonde bobimi ba échantillon. Ben, échantillon sur 100 000. Première promotion à cause des sapeurs-pompiers depuis à l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Première fois, ben, sapeurs-pompiers, qu'on soit ben, OPJ. Et vous serez déployés partout. Mission n'a pas besoin de Kinshasa, mission n'a pas besoin de Congo. Vous vous prêtez seulement pour na Kosunga Mboka, pour accompagner Mboka. Pour accompagner le service dans le domaine Nabino, il y a corps de sapeurs-pompiers, dans la brigade. Je suis venu à la brigade, 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 je suis venu oui, ça c'est ma première fruit nabiso, mais bon continuer na yango tina ba province nyonso pour na contribution na bino na katia corps de sapeurs pompiers. J'ai dit et je vous remercie. Okay. Mettez-vous. Merci beaucoup, monsieur le commandant de brigade.
beaucoup plus la valeur dans l'air pour PC, non seulement majeur encore il y a sa faire courir, mais également la structure pour notre Kokamba, Dole. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a plusieurs structures de droits humains qui pourraient former. Bon, merci pour la confiance que vous donnez et je pense qu'en partenariat, nous allons faire bon chemin. Merci beaucoup. Merci. Et qui sont les défenseurs de okay. Les agents du corps de santé communautaire, spécialement des brigades spéciales des incendies. Aujourd'hui, activistes de droit de l'homme. Aujourd'hui, c'est pour vous-même. Bote mama. Ah, tomonio lelo en tant que sapeur pompier, lelo sikoyo en tant que OPJ. Réaction dans les années. Donc là c'est mon macas. Tandis qu'on a OPJ, la civilité vraiment. Nana bosani. Brevet, nana dans les c'est mon macas. Et c'est maintenant que ma casse, Zamba Pambola, président Jimmy, Zamba Pambola, Doge Mobimba, vraiment en tout cas, Lélo, on a commis OPJ, en tout cas, c'est ma casse, dans mon thème, la CP, le frère. République démocratique du Congo, paix, humanité, Mobimba, compter sur vous, est-ce que vous êtes bien? Non, je suis bien. Et là, on a dit que vous êtes rassuré. Non, c'est vraiment ma lame, vraiment. Corruption que vous allez faire. Et vous allez faire. Vous allez empêcher ma lame, corruption, vous allez faire par la corruption. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Tomonio awa na remise ba brevet. Vous pouvez expliquer biso na détail mouké na nous ezana. Oui, remise ba brevet au Sami Lelo le 21 à mois d'août. Dozali accompagné na maître Jimmy Mwamba. Et il y a des gens qui se présentent comme on a eu commandant Moka de Mine au Trésor, dans les agents et à Sabia Pompé, brigade Atier Sandi. Et à partenariat na ONGD, Doge, Net Ozalaki na Katia Formation. Oui, Net Ozalaki na Katia Formation, il y a l'activiste des droits de l'homme et défenseur des opprimés. Et après avoir la formation à Bichot, pour l'équipe n'a pas test. Et après avoir aussi sa formation à Bichot, nous avons eu comme remise à brevet à Bichot. Et pour l'équipe n'a cadre pratique et sur place. Et il y avait aussi des invités au Bazala Kiwana, il y avait aussi des cadres au Bazala Kiwana vraiment. Et l'équipe m'a lame. Et cette fois-ci, non seulement les agents, il y a commandant de la police de la brigade spéciale anti-incendie, non seulement les défenseurs des opprimés, activistes des droits de l'homme, et aussi tous ceux qui le vert protocole OPJ à compétence sermentée. Il y a un peu de semaine, le maître Jimmy. Aux autres promettre la population, tout le monde a dit qu'il n'y a pas de mingi. Promesse ni l'Europe, ça va moi en tant que OPJ ou bien en tant que sapeur. En tant que OPJ, premièrement, la formation aujourd'hui et pas à maître Jimmy Mwamba. Et en tant que défenseur des opprimés, je suis toujours au milieu du village. Dans Rolandais, il y a toujours le langue procédure, il y a mis beaucoup d'articles, la mission Moka et 5 sur le langue tout ça, la moussala. La 5 va OPN, nous va s'adhérer dans 4 à. Disons, Doge Nanouté, Baya Kosagiré, vraiment formation, et Zé Malam Mingi, et le Mona Maître Jimmy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.